Excellent réveil à tous. Merci d'être avec nous ce matin où nous parlerons encore une fois de développement durable grâce à la présence parmi nous d'un expert dans ce domaine en particulier qui parlera également de la genèse et de la création d'une nouvelle association qui verse justement dans tous ces efforts consentis à l'effet de développer cet aspect, le développement durable. Donc il est pris en charge par nombre d'associations et celle-ci vient en amont de tous les efforts de ces associations et du mouvement donc qui est inscrit dans ce sillage. Et dans ce sillage justement, nous allons vous offrir la possibilité de découvrir un exemple en particulier, celui de l'association Oxygène qui l'association Oxygène active du côté de Béjaïa, donc elle a nombre de projets très intéressants, mais le tout dernier mérite tout notre intérêt et le vôtre également, puisqu'il s'agit de la préservation et aussi de la préservation de tous les aléas qui peuvent justement survenir de la main de l'homme, aussi d'un oued qui est très précieux pour les habitants de Béjaïa et pour l'écosystème de manière générale. Il s'agit de oued Agrioun qui bénéficie grâce à une association, l'association Oxygène, d'un grand projet qui porte aussi des éléments liés au développement durable. Dans cette matinale, nous aurons plaisir également de revoir Soumeya Zerouali qui va nous parler de tourisme de montagne. Donc on reste toujours dans cette économie verte, on reste toujours dans ces projets justement alternatifs liés à la montagne, liés à la nature qui subit aussi l'impact du climat. Et aujourd'hui justement, nous allons inviter une experte en climat, une experte en météorologie, donc une prévisionniste va nous parler de tous ces chamboulements auxquels nous assistons au quotidien, donc tous ces chamboulements qui touchent un peu aux saisons, qui modifient qui sont peut-être liés au changement climatique, on dira, eh bien oui, on va voir où en est l'Algérie de tous ces bouleversements, de tous ces changements dans un moment. Et puis, n'oublions pas Siham Kenouj ce matin qui va nous parler d'un rituel en particulier. Elle va revenir sur justement le diwan qui est ce rituel syncrétique qui allie croyances animistes et aussi apport arabo-musulman. Les possessions, ça intrigue plus d'un. On va parler du Panthéon des Ousfan avec Siham Kenouj et découvrir les secrets jalousement conservés par les Mqaddam et les Ma'allam de Diwan. Et puis voilà, n'oublions pas que dans un tout petit instant, Feri El Shir va vous offrir tous les détails concernant les nouvelles du ciel. Elle est impatiente de le faire d'ailleurs, je la sens ainsi. Après ce jingle, elle va se lancer. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معن نصنع المستقبل. Bonjour Fariel. Bonjour à vous, Alatia. Ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Très bien, cette couleur, mon Dieu. ça nous balance plein de rayons, des rayons tels que ceux du soleil. Exactement. Est-ce que le soleil sera encore roi? Il est encore là, tout à fait. Bonjour à vous, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Donc, ravi de vous retrouver. Excellent réveil. En effet, le soleil s'imposera après dissipation de brume, des nuages bas, beaucoup de brouillard, beaucoup de grisaille au lever du jour. Puis le soleil reprendra le dessus au fil des heures vers les hauteurs. On traite tout de même, à partir de cette soirée, le retour des passages nuageux vers les régions de l'Est, plus précisément près des côtes Est. Puis sur la partie Sud, le ciel sera souvent voilé vers le sud-ouest, le nord Sahara, les nuages, ils seront sans conséquence. Ailleurs, rien à signaler, grand soleil. Voici les températures. Les voici donc en légère hausse par rapport à celles d'hier, les maximales. Il fera 19 degrés à Oran ainsi qu'à Tlemcen, 17 pour Alger, 18 pour Alger, 17 à Annabas, Kikda, Tizi Ouzou. On attend 14 à Guelma, 15 à Betna, 14 aussi c'est le minimum aujourd'hui pour Al Bayad. Et puis au sud, on relèvera cet après-midi 21 à Béchar, à Ghardaya, 22 à Hassim Saoud, 25 à Ilizi, 26 à Insalah, 23 à Taman Rasset, 21 à Janet, 27 à Tindouf et un maximum de 28 degrés à l'extrême sud. Place à présent à l'état de la mer. Donc pour cet après-midi, nous aurons une mer peu agitée à l'est avec des vents parfois assez forts qui varient entre 20 jusqu'à 50 km/h. Une mer belle et calme avec des vents faibles à l'ouest qu'envers le centre, des vents qui varient entre 20
et 30 km/h pour l'ouest et enfin entre 10 et 20 km/h au centre. Le soleil se couchera aujourd'hui à 18h20. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 W pour météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Merci pour votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée. A tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci infiniment, Farid Chir, pour tout cet éclairage. Vous avez annoncé 21 degrés du côté de Béchar, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Voilà. Et justement, on va tout de suite mettre le cap sur Béchar. Béchar avec une montée de mercure à chaque fois, justement, où cet artiste se produit face à son public. Et tout de suite, justement, ses fans vont, voilà, connaître un bon chaleureux pour la voir retrouver tout de suite sur Canal Algérie, Hassna Béchariya. Allah, Allah, ya Mulana Allah.
Siham Kenouché, déjà là. Bonjour Siham. Bonjour cher ami, bonjour à vous tous qui nous suivez. Je vous souhaite une agréable journée. Ben, c'est tout ce qu'on souhaite aussi pour vous. Et on se demande pourquoi vous êtes entouré d'autant de couleurs ce matin. J'ai des couleurs. Alors, du rouge, du vert, du noir, du jaune et du bleu. En fait, ce sont des couleurs qui se rapportent à quelque chose de bien précis. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous... J'aime bien mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on va commencer. Et c'est parti. Alors en fait, j'ai envie de vous parler d'une rituel. Culture et de certains rituels qui ont tendance à disparaître si ce ne sont pas complètement disparus de la scène culturelle algérienne, bien qu'il y a quelques années, ils étaient bien présents, ils sont présents. Mais il faut savoir les connaître, il faut savoir les comprendre. Nous venons d'écouter Hassan Bcharia. C'est une femme qui est née dans un diwan, donc diwan de Béchar. Le diwan, ce n'est pas rien qu'à Béchar. Le diwan, ce sont les grandes villes algériennes aussi. Nous avons diwan Beskra, nous avons diwan Annaba, nous avons diwan Simbana, nous avons diwan Alger aussi. Alors si, par exemple, à Ain Sefra, nous avons Sidi Blel. À Alger, nous avons Bambara, ou ce qu'on appelle Bambara, oui, tout simplement. Bambara, oui. À Constantine, ils sont nombreux. Nous avons Diwan Dar Bahri, Diwan Tambouctou, Diwan Dar Barno, etc. À Annaba, nous avons Dar Baba Mrezoug. Donc, à chaque ville, son Diwan, et c'est très maghrébin, parce qu'en Tunisie aussi, ça existe, on l'appelle Boussadia, etc. Bon, ben, mais eux, quand ils chantent, ils parlent de certains personnages. Ils parlent d'une présence. Qui sont ces personnes-là et pourquoi on chante ces noms? Alors, c'est même repris dans la nouvelle scène. Hein. Par exemple, quand vous prenez... J'allais vous dire, il y a une continuité parce naissance, le diwan a donné naissance à un genre musical proprement bien précis, c'est Gnaoui, exactement. Voilà. Donc, si, dans la nouvelle scène, par exemple, les nouveaux textes, etc., nous avons Chemsou de Friklin qui chante Lamira al-Gnaouia. Alors, qui est donc cette Lamira al-Gnaouia? Pourquoi Lamira al-Gnaouia? Oui. Alors, pourquoi Mira al-Gnaouia? Qui est-elle, en fait? En fait, Mira, c'est l'esprit des Gnawa qui est responsable des messages, c'est-à-dire c'est leur Hermès, entre guillemets. D'accord. Parce que si on veut le comparer avec la mythologie grecque, Mira, c'est le Hermès Gnawa. Et Mira a sa propre couleur à elle. Elle D'accord. est représentée par la couleur jaune. D'accord. Donc, si vous portez dans une Dardiwen, si vous portez un foulard jaune, c'est que vous évoquez... On rend hommage, on évoque Alela, Mira qui va emporter ou va raconter nos soucis ou l'au-delà. Bon, bien sûr, ça reste quand même des croyances qui viennent d'ailleurs, etc. Mais qui sont toujours chantées. Si on chante oui, la ce Mira... sont des syncrétismes qui font appel à un héritage animiste. Tout mais, à fait. Mais qui est fort heureusement très, comment dire, très toléré dans la société. Très toléré, vous pas savez. Pas toujours c'est... en contradiction. On fait la distinction entre la religion, exactement. L'héritage arabo-musulman et ses croyances qui sont vraiment, comment dire, qui ont pu fusionner avec tout ce qui énormément. Est... Voilà. C'est-à-dire que si on met en parallèle le tout ce qui est soufisme et Gnaoui, c'est du pareil au même. Donc, quand vous êtes chez les maîtres soufis, vous allez parler d'Abou Qadr al-Jilani, vous allez parler de Sidi Mansour, ou Sidi Abdel Qadr, ou Sidi Abdel Rahman, ou Sidi Boubdel Mourif. Donc, tout ça, c'est des saints patrons. Ici aussi, il y a des saints patrons. Dans le Diwan, chez le Gnaoui, il y a aussi des saints patrons, et ce sont eux. Donc, celles qui transportent les messages, celles qui voyagent, donc c'est la Mira. La Mira. Donc Mira, donc elle est on lui doit la couleur jaune. Alors si je prends la couleur rouge, alors la couleur rouge d'ailleurs elle est aussi chantée et elle est représentée par l'esprit de Baba Hamoud. Alors Baba Hamoud, Hamoud ou Hammou tout simplement, dans certains textes gnaoui on retrouve Baba Hamoud tout simplement. Alors Baba Hamoud c'est le maître des bouchers. D'accord. Et c'est pour ça que c'est rouge. Voilà, c'est exactement rouge. Alors dans c'est un rouge dans un ancien texte il dit Baba Hamoud l'hamar liyakul l'hamakhdar. Voilà, donc c'est véritablement le maître des bouchers. Des bouchers, des steaks tartare. Et des steaks tartare.
Voilà, donc c'est véritablement une couleur qui représente oui. donc le boucher par excellence. Hein. Tous nos bouchers ont une enceinte qui rouge. D'accord. Et qui, voilà, donc il est chanté aussi. J'aurais peur du rouge désormais. Dans plusieurs textes aussi. Donc c'est Baba Hamoud qui est évoqué. Donc le croisement, justement, comme le disait tout à l'heure, mm-hmm. entre le Gnaoui et le soufisme. Voilà, quand on a la couleur verte, nous sortons un petit peu de ce panthéon Gnaoui vers le soufisme. Parce que un autre nom qui est aussi qui se répète dans le chant Gnaoui, nous parlons de Boudelbala. Alors Boudelbala, en fait, c'est la couleur verte et il représente tout simplement Abdelkader Jilani. Donc on l'appelle Boualem, hein, Abdelkader ya Boualem, c'est la même personne, le même personnage. D'accord. On l'appelle Boudelbala, donc et on l'appelle Sidi Khadr. Donc oui. tout ça, c'est le vert, la couleur verte, et ça, c'est un croisement extraordinaire mm-hmm. qui n'existe qu'au Nord-Africain entre deux sectes, si on veut, ou deux écoles. Bien distincte, c'est entre celle des Khouan Gnawa ou des du Diwan et d'un autre côté celle des confréries soufis. Donc vous voyez qu'il y a un croisement très très présent. Donc vous oui. écoutez une chanson Gnawi qui vous parlera de Boudelbala, c'est la couleur verte et ce n'est autre que Abdelkader El Jilani. Voilà, tout voilà. simplement. Voilà. Alors. Ah, il y a du bleu. Ah, y a du... J'adore le bleu. Moi aussi. Je suis curieuse de connaître vraiment le personnage qui incarne le bleu dans le panthéon de. Tout simplement, tout simplement, est-ce que vous vous souvenez de cette chanson ancienne, d'un ancien temps, puis très célèbre en Tunisie, mm-hmm. Baba Bahri. Baba Bahri, oui, je connais. Baba Bahri, hein, n'est-ce oui, pas oui, tout à fait. Fouali, juste comme oui. ça. Voilà. Donc, ça, c'est Baba Bahri. Ah, l'esprit okay. de la mer, alors. C'est l'esprit de la mer. Pourquoi Alors, pourquoi l'esprit de la mer? Parce qu'il y a beaucoup de Gnawa et de Ousfan qui sont arrivés via la mer. Oui. Ils sont arrivés à travers les vaisseaux. Mm-hmm. Donc, ils ne sont pas, chez nous en Algérie, la plupart sont montés à travers le désert. D'accord. Donc, ils sont venus du Sahel. La route du sel et ces marchands esclaves qui ont sillonné le sud. Et... Donc ils sont arrivés à Tombouctou, d'où le nom du diwan de Constantine Tombouctou, oui. qui, d'ailleurs je leur rends hommage, et qui eux parlent Bambara et Hausa aussi, mm-hmm. ça se parle chez eux, dans leur maison. Et bon, donc nous avons ceux qui ont traversé le désert, Dar Bahri, une autre maison du Diwan qui est aussi un suiqa de Constantine, Dar Bahri, eux, ils sont venus à travers ou via la mer. Donc mm-hmm. on peut imaginer qu'ils étaient peut-être du côté du Ghana ou du Sénégal ou de la Guinée et qu'ils ont un petit peu traversé Gibraltar pour arriver au Nord-Africain. Donc ils sont arrivés via la mer. Il faut dire qu'il y avait tout un commerce d'esclaves. Exactement. Il y avait des négriers qui passaient un petit peu partout. Les négriers passaient à travers la Méditerranée. Donc, exactement. Voilà, il y avait beaucoup de plaques tournantes, tout parfois à fait. Par la mer, parfois par le sud. Donc la couleur bleue, c'est pour rappeler donc, la provenance oui. d'Al Bahri Diwan qui sont venus à travers la mer. Et on arrive au noir. Au noir. Mmh. Le noir qui est une couleur... écoutez, majestique chez le Diwan. Enfin, ce sont des Africains, ce sont des Noirs qui ont installé Diwan. C'est une culture africaine, n'est-ce pas? Donc, le Noir, en fait, c'est le maître suprême, ce qu'on appelle Mimoun. Alors, Mimoun, c'est celui qui porte la chance. C'est le maître de la chance. Alors, pourquoi on dit Lazhar la Mimoun? C'est vrai. la suite. Lazhar la Mimoun, khelloninoum. Faut pas imiter de... J'ai du mal. Voilà. J'ai du mal à me rappeler, moi. Alors, le noir, c'est des mimounes. Quand on parle de ces mimounes, on est toujours habillé en noir. Oui. Vous pouvez voir ça dans le Diwan. Pour ceux qui sont nos grands-mères ou nos mamans,
tête d'œuf, ça peut être une gomberie, voilà, des percussions. Exactement, qui ont un petit peu une origine africaine. Africaine, parce que quand on parle de gombri, oui, c'est un instrument à cordes, mais il y a une percussion dedans. Donc, un gombri qui a le son grave ou un gouni qui a un son plutôt aigu. Et c'est plus petit, le gouni est plus petit. Le gombri, il est vraiment énorme. Et je salue Hassan Bouchari qui joue très bien au gombri. Elle est impressionnante, cette dame. Elle passe du gombri à la guitare électrique d'une façon extraordinaire. Là, on voit justement nos fameux bombara, oui. Nos fameux babassal. Donc, Baba Salem, c'est propre à Alger. Hein. Là, je reconnais. Oui, il sillonnait plus souvent les ruelles d'Alger. Exactement. Là, on leur jetait comme ça de la monnaie. Tout à fait. Là, je pense que c'est des one music. Il me semble que c'est des one music. On voit beaucoup de percussions. Pardon. Elle vous dit exact, notre réalisatrice. Voilà, je pense que c'est des one music. Et voilà, c'est vraiment en transe. Mm-hmm. Et puis, les tambours varient, leur taille varie, leur cuir varie et ça donne des sons véritablement différents. Et ça, c'est très africain. C'est une culture que nous avons toujours. Malheureusement, on les voit moins sillonner nos ruelles, effectivement. C'est dommage. C'est triste parce que ça apportait de la joie. Mais tout à fait. Un son comme ça qui venait de nulle part. Et tout à fait. Donc, quand vous parlez de Baba Salem, c'est très algérois. Mm-hmm. Et vous savez, cette famille existe toujours. Hein. Ils ont une maison à la Casbah, ils sont installés à Chevalé aussi. Mm-hmm. Et leur nom de famille est Benbra. Mm-hmm. Ce n'est pas pour rien. S'il s'appelle Bambara, c'est par rapport à Bambara. Oui, c'est l'héritage. Voilà, de c'est l'héritage Bambara, des Bambara. Et donc, Bambara, on rappelle que c'était l'esprit de. Alors, Bambara, en fait, c'est une ethnie c'est le vert, qui habitait. C'est le vert, non, ça, non, c'est Boudherbella. Boudherbella, voilà. Alors, Bambara, c'est une ethnie qui vient, c'est pas grave, qui vient du Mali. Oui. Donc, au Mali, au nord du Tombouctou, nous avons les Hausa et nous avons les Bambara. Oui. Ce sont deux ethnies différentes. Donc, les Bambara ont vu leurs enfants. Menés en esclavage donc dans le nord africain, les Hausa aussi. Donc si vous allez à Constantine, vous allez trouver des gens qui parlent toujours Hausa. Le bonjour à Toura Mimouloud qui chante en Bambara et qui chante en Hausa, qui connaît encore quelques termes. Et à Diwan Annaba, qui aussi, Diwan Baba Nrzoug, qui détient un certain savoir-faire et une certaine culture. Vous avez mis le doigt dessus, je voulais parler d'un savoir, d'une culture, d'un héritage jalousement couvé et plein de mystères. Tout à fait. On ne s'explique pas certaines transes, on ne s'explique pas certaines possessions, certaines, comment dire, c'est presque de l'illusion c'est du rêve. C'est du rêve. C'est voilà. Du rêve, c'est une transe, c'est une façon de s'exprimer. Les Estawa, par exemple, qui sont à cheval entre le Diwen et. Les Estawa, c'est une confrérie. C'est très particulier. Voilà, donc les Estawa, c'est très soufi, mais nous avons toujours cette vague qui vous emporte, ce sujet qui vous emmène très loin, ce tam-tam qui est là, qui est très africain d'ailleurs. Les Estawa, je pense qu'on fera un jour une belle chronique par de plusieurs confréries soufi et puis la spécificité de chaque confrérie parlera de la Issawa et qui sont très présents déjà à travers l'Algérie et qui diffèrent d'une ville à l'autre. Donc la Issawa de Mostaganem ne sont pas comme la Issawa de Constantine ou de Galma, etc. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que ce soit à Constantine ou à Béchar ou dans d'autres régions du sud ou du nord, il y a ce qu'on appelle le ma'allem. Oui. Il y a ce qu'on appelle le muqaddam. Tout à fait. Il y a ces détenteurs de savoir et qui œuvrent à la transmission. Exactement. Donc c'est tout un rituel. Il y a le muqaddam, il y a même le muqaddama. Donc il y a des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont visiter dans le diwan, qui offrent le henna, qui offrent un parfum spécial, un parfum qui a tendance à disparaître. Fait de musc et de louben. D'accord. Entendu. Voilà. On dit bien rihat al louban, dit khadra. D'accord. Je connais pas. C'est un parfum vert. Mais les odeurs sont là. Les odeurs oui, sont là parce que ça ressemble à du ça pro. Réveille des souvenirs tout d'enfance. Tout à fait. On a l'impression que c'est du santal, c'est de l'encens, mais en fait c'est du louban. Louban brûlé et ça a une odeur tatiwan. Voilà. Il y a pas. Oui. Il y a pas photo. C'est vrai. Puis il y a l'encens. Donc les spectacles de Gnawa Diffusion par exemple, ce groupe mythique qui est devenu vraiment qui ont vraiment culte, modernisé qui a, la chose. Voilà, tout à fait. Et c'est bien parce qu'en fait, elle est toujours là. Ils ont sauvé un héritage. Ils ont sauvé une culture. C'est bien de revisiter certaines chansons. Mais attention, les textes sont les mêmes.
Oui, On il y a un s'inspire, disons, c'est un texte, répertoire, exactement. d'où le terme diwan d'ailleurs. Tout à fait, Diwan, c'est parce tout que à fait. ce sont des C'est textes, écrit, ce exactement. sont. On dit diwan sha'r ou diwan sha'r. Donc, c'est tous les textes, c'est un palmarès d'un Oui. certain poète. Donc, c'est toutes les poésies qui sont chantées dans telle ou telle circonstance. Oui, ça me donne envie aussi d'avoir une grosse pensée, une grande pensée pour un maître, un ma'allem, un des plus grands justement de Béchar, et qui s'est éteint donc après 70 ans de contribution à cette préservation de Oui, l'héritage, qu'est-ce qu'il a 70 emporté ans avec de lui? diwan. Qu'est-ce qu'il a emporté avec lui? Il n'a pas fait qu'emporter, il a transmis. C'était Oui, ben j'espère que ça a été un bien détenteur transmis. de savoir qui a beaucoup transmis, qui a vraiment été à l'écoute de toute cette génération dont on parle, de tous Oui, ces groupes oui. qui sont nés, influencés par cette authenticité, Tout n'est-ce à pas? fait, tout à fait. Oui, Donc, donc il s'agit, on parle à l'instant de Am Ibrahim l'Arhma. Merzouk, pardon. Merzouk, donc c'est quand même un ma'allem, voilà, plus connu comme sous l'appellation de Ammi Ibrahim, un homme humble, chaleureux, d'une grande ouverture d'esprit, et je le disais donc qui a sauvegardé cet héritage, ce répertoire particulier. Et puis moi je La pense qu'il yirahmo. faut la aller. Moi je pense qu'il faut quand même garder cette identité parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nous aussi. Bon, il y a ceux qui disent non, moi c'est loin Oui. de ce que je connais ou dans le milieu dans lequel j'ai évolué, mais il y a des familles qui eux n'ont connu que ça en fait. Ils ont évoluer dedans. Ils connaissent ce rituel très très Oui. bien en fait. Et je pense que Chabania, ça me vient à l'esprit, 3 jours avant Ramadan, ou le 27e jour de Chaben, il y a ce veau noir qu'on orne de bijoux, qu'on orne aussi de guirlandes, de fleurs, et qu'on fait passer dans les ruelles de la ville. Chacun donne quelque chose, chacun du sucre, de la semoule, du couscous, et puis à la fin, le veau Oui. est égorgé et sa viande est distribuée. Oui. C'est pour les pauvres de la ville pour commencer Oui. Ramadan. C'est une sorte de koufet Ramadan à l'ancienne. Oui, Voilà. non, mais c'est vrai. Et toute la générosité du peuple algérien transparaît lors de ces rituels. On parle de celui de Tarit, par exemple, ou alors le Sbouh de Tout à fait. Tmimoun, qui englobe aussi ce rituel à côté de Oui, l'Ahlil. oui. Et ces fédérateurs, c'est aussi propice à l'expression d'une générosité légendaire du Mais peuple exactement, algérien. mais c'est On ça. offre d'aimer, on offre Tout de à la fait. présence Donc et de la. Voilà. nous sommes chaleureux, ça nous ressemble. On aime bien, nous sommes un peuple un petit peu fêtard. Nous sommes africains. Voilà, et nous sommes Nous africains, sommes très. profondément Ouais, africains, qu'on le veuille ou effectivement. non. Et l'Afrique, c'est de la chaleur, N'est-ce pas? c'est une âme pure qui voilà. Elle est très proche de la terre aussi. Tout Elle à est très fait. très proche de la Tout terre. à fait, Voilà, voilà. Radia, donc Donc on c'était parlait à l'instant, pour ceux le qui diwan. viennent de nous rejoindre, du diwan, de son panthéon, un petit peu l'historique et la symbolique des couleurs qui sont liées à ce panthéon. Ah, je Donc résume très vite. allez, on y va. Alors, nous avons l'Amira en jaune, Baba Hamouda ou Baba Hamou en rouge, nous avons Baba Bahri en bleu, alors nous avons Boudelbala le vert et Baba Mimoun en En noir. noir, voilà. J'espère que j'y arriverai. Allez, J'espère que j'arriverai retenir. à retenir. Bon, ben voilà, Bakoumbek. ce serait plus sympa encore. Merci Voilà. beaucoup, hein, Oh, Siham. mais c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Merci. J'espère qu'un jour, on pourra faire une émission comme ça, une belle immersion dans Et cet univers. pourquoi pas, Pourquoi pas? franchement. Ce serait bien. Voilà. Merci encore, Je vous en Siham. prie. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour d'Algérie. Donc, on offre aujourd'hui la possibilité de parler de l'environnement, du développement durable. Tout de suite, on invitera à rejoindre le plateau les représentants de l'association Oxygène qui vont nous parler d'une région en particulier et d'un oued en particulier sur lequel ils veillent jalousement. Donc aujourd'hui, avant de parler de leurs activités, nous allons tout de suite opérer un zoom sur le lac El Melleh. Nous allons dans la région d'El Taref et c'est grâce à Feria El Hamdi que nous ferons ce petit voyage.
quarantaine avec l'arrivée non pas de nos amis de l'association Oxygène qui se sont éclipsés pour un petit café. Donc le temps qu'ils sirotent leur café, on va accueillir tout de suite Soumeya Zerouali. Soumeya, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi, Nadia? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc vous n'êtes pas seule aujourd'hui, vous avez amené avec vous un invité. Exactement, il s'agit de monsieur Mohamed Sonhadji. Bonjour et bienvenue à vous. Sonhadji, pardon. Sonhadji, oui. Bonjour et bienvenue à vous, monsieur Sonhadji. Vous venez de Kabylie, vous venez aujourd'hui nous parler d'une belle région. Il s'agit de la capitale de l'argent. Ah c'est oui, comme ça qu'on l'appelle. Bon, je devine. Et... Allez, je veux le dire, Benini. Exactement. Béni, tout à fait. Béni, une belle région avec donc c'est les beaux villages de Béni, les sept villages aussi. C'est toute la région donc Ouessif, Béni qui est une région exceptionnellement belle. Et vous venez aujourd'hui donc en parler. Nous allons parler de tourisme de montagne. Vous êtes spécialisé dans le tourisme alternatif et vous allez nous expliquer, vous allez nous parler donc de votre parcours dans le tourisme d'abord pour commencer. Merci bon. Madame. Merci à vous, merci d'être là. Je vous remercie de votre invitation et c'est avec plaisir qu'on revient sur les antennes de Canal Algérie. Oui. Une chaîne que nous aimons beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, cher monsieur. Donc, c'est Mohamed Sinhaj, consultant en tourisme alternatif, oui. Solidaire, à Thiani. Mon parcours, j'étais bijoutier. J'ai fait un peu des expositions à la foire de Marseille. On a essayé de promouvoir le bijou. Et membre fondateur de l'office et président d'office tourisme qui a arrêté ses activités en 2000. D'accord. Dommage. Et membre fondateur de la fête du bijou qu'on avait fait dans un contexte en 1995, à la décennie noire. Oui. Béni, c'est vrai qu'il est relié un peu à l'économie du bijou. Aujourd'hui, mon passage à Canal Algérie, avec le soutien en concertation avec les nouveaux élus, monsieur le maire Abdallah Jenen. Et ses élus, et nous voulons relancer le tourisme dans relancer la région. Le tourisme dans notre région avec la société civile, les associations et les institutions. On ne vient pas pour interférer sur les institutions, mais c'est un complément. Absolument. Pour relancer une activité. C'est l'affaire de tous, effectivement. C'est l'affaire de tous. Exact. Nous avons donc, une région. Le festival sera relancé? Il y a un retour au festival du bijou? Le racontard? La fête du bijou. La fête du bijou. Oui, la fête du bijou, il est prévu. Il est prévu. Donc, les nouveaux élus ont tiré des leçons du passé. On va essayer de... C'est un secteur qui est en crise. Trouver les formules pour le réimplanter et créer une économie en harmonie au développement durable. Et justement, c'est un secteur qui est en crise depuis quelques temps et pour cause donc la pandémie. C'est un secteur qui souffre à travers le monde. Le secteur du tourisme a connu sa plus grande crise après suite à la pandémie de la Covid-19. Vous avez vous essayez de relancer le tourisme à votre niveau. L'office a arrêté donc ses activités, mais vous continuez avec l'aide de tout le monde, avec les habitants, avec le mouvement associatif, vous l'avez dit. Et qu'est-ce qu'on appelle justement tourisme alternatif pour ceux qui ne connaissent pas ce matin et qui nous suivent? Le tourisme alternatif, il faut dire que l'Algérie a essayé en 1989 de trouver une nouvelle formule de substitution au tourisme de masse. Un séminaire s'est tenu à Tamanrasset pour créer une école du tourisme alternatif que les spécialistes, les universitaires appellent responsable en harmonie avec l'environnement. Oui. Ça ne s'est pas fait malheureusement. En 2003, Jean-Marie Colomban a créé le tourisme qu'il appelle solidaire. Oui. Et moi, j'ai toujours aimé ce mot alternatif.
c'était alternatif, c'est comme le courant. C'est un tourisme responsable, en harmonie avec l'environnement. C'est ça. Voilà. Puisqu'on parle de tourisme, quand on parle d'Athénie, quand on parle de montagne, on parle donc forcément de tourisme donc assez spécial. Le tourisme de montagne, c'est un tourisme assez fragile, puisque l'écosystème est fragile. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir développer le tourisme dans ces régions, en montagne donc, tout en sensibilisant les visiteurs quant à la question de la protection de l'environnement, le respect de la nature. Absolument. Et aussi des coutumes et traditions. Tout à fait. Absolument. Aujourd'hui, le concept de l'environnement est devenu un phénomène de mode à travers le monde. Oui. Et l'Algérie est bien impliquée. Nous avons un beau pays. Il faut dire que aussi, à travers le monde, les bourses se sont amoindries. Donc, on va vers cette alternative aussi, oui. Vers, par exemple, l'hébergement chez l'habitant. Et c'est un courant, c'est un courant mondial. Ce n'est pas grave, je fais une petite incursion et je vous laisse continuer. Tu anticipes. Allez-y. Allez-y, et justement, c'est une nouvelle formule qui a connu donc un essor donc ces derniers temps à travers, d'ailleurs à travers le monde, pas qu'en Algérie. Ça commence chez nous, ça a commencé dans le sud, l'hébergement chez l'habitant. Et donc aujourd'hui, tout le monde s'y met. Les propriétaires de maisons d'hôtes proposent donc des services pour un peu. L'idée, c'est de permettre aux touristes, aux visiteurs de la région d'avoir une idée d'abord sur les traditions, les coutumes, tout en étant en contact avec donc les habitants, avec la population locale, et on accueille donc le touriste chez nous, chez soi, donc pour lui proposer les services que qu'il peut avoir dans chez lui. Mais tout en étant donc dans la région, avec donc toutes les traditions, l'art culinaire, l'habit traditionnel, les coutumes, donc tout ça, et pour lui permettre... Et la chaleur de l'accueil de l'Algérien. Exactement. Et vous avez raison. D'ailleurs, notre pays, notre beau pays, l'Algérie, quand elle a ouvert le champ du tourisme privé, à Tamanrasset, en 1989-90, s'est créé tout de suite, 87, je crois, d'accord, agence de voyage privée. Oui, oui. Et c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, les choix institutionnels s'orientent un peu vers le tourisme du Sud, ce qui est tout à fait normal. Mais pour nous, en Kabylie, pour Beniéni, on peut parler que du tourisme de montagne, donc l'agrotourisme, le tourisme écologique. Oui. Et je pense que pour la commune de Beniéni, on a déjà une tradition. Vous savez, le tourisme finalement, tout en étant une affaire de professionnels, c'est sûr, mais il faut dire que le tourisme, les populations doivent être impliquées. Si les populations ne sont pas impliquées dans le tourisme, il y a des rejets. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. C'est vrai. C'est pour cela que... C'est un petit peu ce qui se passe au sud. Donc, voilà. Ce sont des familles qui vivent de cela. Il y avait le tourisme de masse avant. Tout à fait. On amenait des cars, il y avait des circuits, Olonate, etc. Il y avait des circuits, tourisme de masse. Bon. Mais aujourd'hui, ce nouveau concept de tourisme... Responsable aussi. Responsable, voilà, solidaire, tout ça. Il implique... Et pour nous, je crois que Beniéni peut jouer un projet pilote pour que ça fasse stage de ville sur toutes les régions, c'est-à-dire nous avons beaucoup les thématiques universitaires, etc., le tourisme. Nous, on a à Beniéni des formules tourisme culturelles, l'accueil à la ferme, le tourisme révolutionnaire sur la guerre. Goûter aux produits du terroir, puisque vous parlez de la ferme. Oui, donc vous voyez... en effet, le tourisme, c'est quelque chose qu'il faut placer au sommet. Oui. Donc l'aménagement du territoire par les institutions, c'est d'orienter chaque commune selon ce qu'elle peut apporter. Effectivement. Beniéni, on est assis sur de l'or et on parle de misère, c'est pas normal. Donc il faut, le développement durable doit s'articuler autour du tourisme. Oui. De l'agriculture de montagne, valoriser les produits bio, les transformations de fromage, de miel, de ceci. L'huile d'olive aussi. L'huile d'olive, etc. Et de l'environnement. C'est un tout. C'est ça le développement durable.
En harmonie oui, avec en, les voilà, en préservant aussi l'authenticité architecturale de ces villages qui se font toute la beauté de la région, oui, hein, ça avec se prend ces la... tuiles, voilà. Ces petites maisons C'est en vrai. pierre, et tout ça qui sont bien conservés par les familles qui habitent là-bas. Absolument. Donc le tourisme culturel, même, c'est les infrastructures matérielles et immatérielles, c'est ça. C'est tout ça. Et puis le tourisme, c'est quelque chose qui n'implique pas de gros investissements puisqu'on vend des rêves. Oui, c'est rêves. Vrai. C'est comme si on... Bon, on va dire qu'on vend du vent, mais on vend des rêves. Et de nos jours, dans le... Service intangible, voilà, effectivement. Voilà, il est à 150 km d'Alger. C'est un déversoir. Donc pour les Algérois, par exemple, qui veulent s'oxygéner, etc., c'est pas très loin. Oui, c'est vrai. Il y a d'ailleurs des inconditionnels de Beni Yenni parmi les artistes. Oui. Je cite à titre d'exemple Kenny Psergua ou encore Denis Martinez, qui est vraiment fidèle à certains événements culturels organisés dans la région et dont vous allez certainement parler. Oui, alors déjà nous avons le vous avez cité donc le raconteur. Le raconteur, oui. L'événement qui draine beaucoup de monde, finalement beaucoup de visiteurs et beaucoup d'artistes qui viennent donc de l'étranger, de l'Algérie et de l'étranger, comme Kalim Sergoa qu'on salue ce matin si nous regarde. Et donc c'est un événement qui va être organisé cette année encore dans la région. J'ai essayé d'appeler Hassan Metref, l'organisateur, hier soir. Oui. Il ne m'a pas répondu. Mais je pense qu'il est programmé. En fait, C'est la pandémie qui a fait que... Il devait se tenir à Yakouren. Elle a été reportée. Il voulait le délocaliser sur la région d'Aït-Ouaban. Et pour des raisons de la pandémie, ils n'ont pas eu les autorisations. Et je pense que ça va être reprogrammé si le climat sanitaire ça s'améliore. En tout cas, la région d'Etigny est connue pour le bijou. Oui. La fête du bijou, et ça, c'est maintenu cette année. La fête du bijou, elle est programmée. Pour juillet, comme d'habitude Certainement. Fin juillet, début août. Parce que le bijou, même s'il est rentré en crise par rapport à la cherté de la matière, l'absence du corail, tout ça, bon, c'est... Mais et c'est un événement culturel, c'est-à-dire que une femme qui se marie et porte des bijoux, etc. Donc si vous voulez, même si c'est d'un point de vue économique qui est en crise, on doit le préserver sur un phénomène culturel. Exact. Et Etigny se prépare justement pour accueillir tourisme vers l'accueil à la ferme, etc., trouver des autres formules. Et pourquoi pas... Beaucoup de pérennité pour raconter aussi, voilà. On espère. Voilà. Exactement. Trouver d'autres formules intéressantes. Formules, c'est de développer d'autres produits touristiques. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre pays... Avec tous les dispositifs, c'est peut-être l'un des rares pays au monde pour aider la jeunesse. Les dispositifs sont intéressants. Et la formation professionnelle, il faut trouver une harmonie d'équilibre entre la formation professionnelle, les dispositifs, la direction de la jeunesse, la direction du tourisme. Et l'expérience acquise par vous et vos semblables, les professionnels du tourisme, monsieur Snahadj, Mohamed Snahadj, vous êtes donc consultant en tourisme alternatif. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci Nadia. Merci infiniment. Et si vous voulez découvrir tout l'art du bijou, visitez, si vous êtes sur Alger, le musée des arts et traditions populaires qui offre au public une très belle exposition qui raconte l'histoire du bijou dans notre pays. Merci infiniment. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc nous continuons de parler d'environnement, nous continuons de parler de la valeur sûre, la valeur de l'économie verte, la valeur aussi de ceux et celles qui préservent notre environnement et nos richesses naturelles. Tout de suite, nous allons inviter nos amis de l'association Oxygène à nous rejoindre. Le temps qu'ils arrivent, nous allons découvrir ce reportage signé Feri El Hamdi qui va nous emporter vers Tarouf, cette belle région où on trouve de très beaux lacs, à l'instar de lac Melleh qu'on visite tout de suite. El Qala. Qui ne connaît point cette paradisiaque ville côtière de l'extrême est du pays? Un gros village avec des atouts qui n'ont nul besoin d'atours.
pour dire sa beauté sauvage et remarquablement fraîche. La rue de Tarf est précisément la région d'El-Khala. Elle est vraiment retenue à l'échelle mondiale. Donc, dans le parc national, j'étais parmi les éléments qui ont vraiment poussé au loin de montrer les espèces les plus rares, les plus vraiment demandées à l'échelle mondiale. Donc, même des espèces qui sont retenues sur la recherche écologique et ornithologique. Et ma mère dans la région. Et les richesses qu'il y a en tant que vraiment mer, terre, lac, les zones humides, les marécages, les montagnes, les forêts, et même les espèces, les animaux, les oiseaux qui sont vraiment rares, ça, ils sont en train de commencer de se développer en temps de maintenir et de devenir sédentaires. C'est-à-dire que les races matures, la tête blanche, elle a vraiment disparu du sud de l'Europe. Humide. Sa renommée internationale et surtout sa place en tant que principal centre de la biodiversité en Méditerranée. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la lagune de Mlah. C'est l'unique lagune en Algérie, d'une superficie qui est égale à 860 hectares. Elle englobe une diversité avifaunistique très remarquable. On trouve beaucoup d'espèces, on trouve des anatidés, tel est le cas du canard sushi, canard col vert, le filicuneruca, le morion, etc. On trouve également de plus des espèces laquistres, on trouve une avifaune marine, tel est le cas des guilons et des mouettes. Ce sont des larédés. On trouve également l'isterne, pour l'avifaune ou bien pour la ressource halieutique. La lagune de Mlah est une concession qui dure 25 ans avec un cahier de charge qui doit être respecté par le concessionnaire. Ils sont là, jeunes, dynamiques, ambitieux. Les gardes nature ou gardes verts ou éco-gardes. Des agents travaillant sur le terrain dans un espace naturel et dont le cœur de métier est la préservation de la biodiversité. Parmi les missions d'éco-gardes en site, surveillance des espaces naturels communaux, information et rencontre avec les utilisateurs de la nature, éveil écologique, prévention et sensibilisation. Nous sommes des étudiants éco-gardes. Cette opération, c'est une opération nouvelle. C'est une collaboration algéro-allemande. Donc, avec le ministère de l'Environnement et le parc national d'El-Khala. Bon, cette nouvelle opération, elle est pour but pour sensibiliser les gens et la valorisation du parc national en général. En fait, cette opération, elle va être vraiment une opération pilote, si elle va réussir, bien sûr. Donc, nous sommes là pour un but bien précis, c'est de passer le message et de laisser une trace vraiment efficace et de protéger notre patrimoine naturel. Oui, c'est une opération pilote, c'est une nouveauté pour le parc national d'El-Khala. Inch'Allah, la main en main, Inch'Allah, elle va réussir. Cette campagne de sensibilisation s'étalera jusqu'au 31 août. Ces éco-gardes sont présents tous les jours pour assurer leur mission, informer et sensibiliser les estivants et les touristes.
Et du lac Melleh, nous allons parler aussi d'une étendue d'eau qui est justement une source intarissable pour la région de Béjaïa. Le lac, en l'occurrence, donc Oued Agrioun, donc qui est un des fleuves les plus grands de la région de Béjaïa. Pour en parler justement, nous allons accueillir tout de suite une équipe qui veille au grain et qui a porté tout son intérêt à cet espace en particulier. Donc bienvenue à nos amis de l'association Oxygène, son président Fadel Khaled, bienvenue. Voilà, quand, vous avez souri quand j'ai dit « Monsieur le Président ». Tout à fait normal. Ça fait toujours un effet bizarre, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Donc bienvenue, hommage à Monsieur le Président ici présent, accompagné ce matin par Boudjit Amazir, qui lui fait partie de la cellule de communication. Donc voilà, c'est cette petite locomotive qui lance l'appel quand il y a activité et quand il y a lieu de fédérer les troupes, n'est-ce pas? Exact. Bienvenue. Donc si vous êtes parmi nous, c'est pour parler d'un très beau projet qui permettra donc à moyen ou à long terme de préserver. On parlait là à l'instant de Oued Agrioun, donc on peut parler un petit peu plus de ce projet? Effectivement, tout d'abord je vous remercie pour votre invitation, donc c'est un honneur et un privilège toujours d'être sur le plateau de Bonjour l'Algérie, pour s'adresser toujours donc aux Algériens et beaucoup plus aux admirateurs de la nature, aux écologistes aussi. Donc notre association, depuis sa création en 2016, donc le 12 avril 2016, a mis comme objectif donc, la préservation du patrimoine naturel et historique de notre région. Comme vous le savez, donc Béjaïa dispose de deux grands ouêtes. Donc il y a l'oued Somam qui a une valeur historique, écologique, économique et tout ce qui s'en suit. Il y a aussi de l'autre côté de notre wilaya, donc le côté est, il y a l'oued Agrioun. L'oued Agrioun qui a une histoire, qui est aussi un patrimoine, une zone humide qui n'est pas classée. Donc, on s'est retrouvé au bout de quelques années d'action sur le terrain, on s'est retrouvé comme avocat de cet espace, étant donné donc sa valeur historique, parce que si on essaie de remonter à l'histoire, à l'époque coloniale, il y avait tout un projet de territoire sur la région d'Oued Agrioun. Il y avait une usine de production d'électricité à travers la ressource en eau, donc acheminée du barrage Irilimda installé à Kharata. Il y avait aussi un autre barrage de secours pour l'alimentation toujours de cette usine à Irzoroftis. Il y avait une mine pour l'exploitation du fer et du phosphate Oued Marsa, donc le Ma'den, village Irilo Dardar. Il y avait aussi l'exploitation du liège qui a fait par la suite, au bout de l'indépendance, l'Algérie a été classée parmi les premiers pays exportateurs du liège. Donc, de liège. Notre région... C'est dire l'importance justement de cette région que vous essayez de préserver. Donc notre ami Oudjit ici, qui est dans la cellule de communication, nous a amené en image les actions menées par l'association. On va les découvrir ensemble et on revient pour parler du projet plus concrètement. Et oui, l'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est sur cette phrase que se termine cette série d'images. On parle aujourd'hui de l'association Oxygène, qui est porteuse de ce projet en faveur de Oued Agrioun. Donc la célébration récente de la journée des zones humides, le 2 février dernier, a donné naissance à un très bel événement que vous avez organisé. On peut en parler un petit peu ?
Oui, déjà bonjour, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Concernant notre dernière action, que c'était en fait la clôture de ce projet, qui est le projet d'Ouadaï Arioun, c'était une journée d'études sur ce projet dont on a fait appel aux citoyens, aux tous nos partenaires, les associations aussi. Cela pour exposer toutes les activités qu'on a achevées de long notre projet, et notamment dont on a réalisé des actions qui sont vraiment des actions importantes pour la protection de Ouadaï Arioun, dont je cite la création d'une pépinière au niveau du CSP de Derguina, qui est une action très importante, notamment concernant le développement durable, parce que si on parle de développement durable, c'est des actions dont on réalise des objectifs à long terme. Oui. Et aussi, cette action-là nous permet un impact déjà environnemental, bien sûr, et aussi un impact social, parce que cette pépinière, on a intégré des enfants pour leur expliquer la valeur et l'importance d'un arbre, d'une fleur ou à vrai dire d'une plante en général. C'est parce que cette espèce-là qu'on a créée, on va le maîtriser pour donner à l'enfant l'importance de l'arbre pour qu'il soit conscient de l'importance de l'arbre. C'est parce que l'enfant, c'est la génération future, puisque souvent on se dit quelle planète on va laisser à nos enfants, mais jamais on se dit quels enfants on va laisser à notre planète. Oui, effectivement, ouais. J'espère qu'ils seront de bons citoyens et vraiment les porteurs de projets du futur justement de l'Algérie, citoyen. L'Algérie verte, l'Algérie citoyenne. Donc vous avez aussi consacré le 5 février dernier une journée d'études, vous avez fait appel à des universitaires et des experts pour développer cette thématique autour de Ouadaï Arioun et de sa préservation. Pourquoi l'intérêt s'est-il porté sur Ouadaï Arioun? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait de grands projets liés à cet espace à l'époque. Aujourd'hui, est-il quelque part menacé? Oui, oui, il y a beaucoup de menaces. Et déjà même, comme je viens de le souligner, c'est la raison d'être de notre association. Parce qu'on a remarqué, nous disposons, ou bien notre région dispose d'un patrimoine écologique, naturel, historique, touristique, écotouristique, parce qu'il y a même des potentialités touristiques qu'on peut développer. Mais malheureusement, il y a des menaces. Il y a des menaces. Je vais citer par exemple le problème de pollution, la pollution. Oui. Toutes sortes de pollution, parce que entre guillemets Rabbi subhanahu wa ta'ala min al-ma kullu fi inhay, donc les rivières étaient depuis l'existence, depuis la nuit des temps, étaient des bassins de vie, étaient des bassins d'échange de civilisation, mais malheureusement à l'heure actuelle les ouèdes, les bassins de vie, les lacs, ce sont devenus des décharges sauvages, malheureusement. Et vos bénévoles ont souvent contribué au nettoyage de ces espaces, mais c'est pas suffisant, j'imagine. Et c'est pas suffisant, parce que le nombre de personnes qui nettoient elle est très inférieure par rapport au nombre de personnes et des institutions, je le dis bien, des institutions qui jettent les ordures, notamment les APC, les communes, donc tellement qu'il n'y a pas de CET, d'installation de traitement des déchets, donc c'est tout le monde qui jette dans les ouettes, ce qui représente un risque majeur, un, pour la santé publique, parce que l'Oued est un bassin de vie, il y a des animaux là-bas, il y a des chats, des chiens, ainsi de suite, qui sont en plein contact avec l'homme. Il y a aussi des gens qui ont des parcelles agricoles, parce que si on parle de pollution, ça se déplace, soit de manière terrestre, ou bien de manière liquide, ou bien atmosphérique. Il y a des maladies à transmission hydrique, il y a des maladies à transmission atmosphérique. Tout ça, c'est des menaces. Il y a aussi les feux de forêt qui menacent notre région. À chaque année, on perd de grands hectares de chênes liège et de chênes d'Alep. Donc, c'est des petites forêts qui disparaissent au fur et à mesure du temps. Il y a aussi le manque de civisme de certains détenteurs ou propriétaires d'huileries aussi, qui menacent. Exactement, l'espace. Exactement. C'est un autre point, en parlant de la pollution, parce qu'on parle de la pollution solide, donc de ce qui est déchets ménagers, soit jetés par les citoyens, par les opérateurs ou bien par les communes. Il y a aussi les installations industrielles, on va dire les stations de service, stations de lavage, de graissage, les huileries, notamment nous sommes en période de
de transformation. Voilà, oui. Donc les huileries travaillent H24, ils déversent leurs déchets H24 sur les ouettes, soit des margines, soit des grignots d'olive, ils sont jetés un peu partout sur la nature, ce qui représente un risque pour la santé animale, végétale et aussi pour la santé humaine. Il y a les mouvements de terrain, les glissements de terrain, l'érosion qui sont dus à l'activité de l'homme, parce que ça fait même pas un mois qu'on a lancé une alerte par rapport à l'extraction massive de la TVO qui existe au niveau de l'ouette. Cette l'ouette déjà, elle est menacée et on accélère c'est-à-dire sa dégradation à travers des actions qui ne sont pas réfléchies, malgré que les entreprises qui ont eu l'autorisation et ont été autorisées par des services, mais il n'y a pas eu d'impact sur l'environnement, il n'y a pas eu respect du cahier de charge pour l'extraction. Déjà, on ne fait pas de l'extraction en saison hivernale. Oui. On peut avoir une précipitation, une averse à tout moment, et qui va causer des dégâts énormes, non seulement sur l'environnement, mais aussi que ça, il peut provoquer des inondations dans les zones limitrophes de l'Ouest. Ouais. Et on sait bien que Derguina, en 2008, a été classé par une étude réalisée par la direction de l'urbanisme, il a été classé dans la zone rouge. Il y a le quartier Amri, il y a le Derguina Centre et l'Otto Zoumour. Le village aussi est menacé. Ils sont classés dans la zone rouge. Donc vous essayez de redonner de l'importance à ces petits villages. Exactement. Et d'introduire la notion de développement durable dans ces régions. Donc c'est vraiment louable. On va finir par la prochaine action, parce que c'est vrai que vous venez d'organiser un très bel événement et votre projet est porteur d'idées à long terme, à moyen terme, on le disait tout à l'heure. Prochaine escale, donc c'est cette journée nationale des ambassadeurs, c'est bien. Des ambassadeurs de l'environnement que vous organisez. En fait, la formation nationale des ambassadeurs de l'environnement, c'est... Oui. Je continue ? Oui, mais bien sûr. La formation nationale des ambassadeurs de l'environnement, c'est une formation déjà qui est dans sa troisième édition. C'était la fin de cette année 2021. Dont on a formé 20 ambassadeurs de l'environnement. On a essayé de toucher à l'échelle nationale. On a eu 20 wilayas et cette année, ce qui est différent des prochaines éditions, c'est qu'à la fin de cette édition, on a créé le réseau national des ambassadeurs de l'environnement, dont on a réuni les ambassadeurs des trois éditions pour créer le réseau dont on vise à la protection de l'environnement, à plusieurs objectifs à réaliser en collaboration avec ces ambassadeurs. Et aussi, c'est des ambassadeurs qui représentent leur wilaya, leur association. Donc, on ne va pas juste travailler sur Derguina, puisqu'on l'entre slogan l'indique, c'est penser globalement, agir localement. On a commencé à travailler au niveau local, au niveau Derguina, puisque comme le président vient de le citer, c'est une zone vraiment menacée. Et on a partagé ce qu'on fait à travers d'autres wilayas, à travers cette formation-là. Voilà, avec vous, nous avons pu partager ce cri, cette sonnette d'alarme en faveur de Oued Aghlioune ce matin. C'est à Béjaïa que ça se passe. Nous avons à l'instant découvert, mesdames, messieurs, une association très dynamique, l'association Oxygène, ici représentée par Fodil Khaled, qui en est le président, et Boudjit Amazir, qui fait partie de la cellule de communication. Merci infiniment et bon vent pour tous ces beaux projets en faveur de l'environnement. Restez avec nous, mesdames, messieurs, nous continuons de parler d'environnement, de temps, de climat, tout de suite avec les invités qui vont suivre après ceci. Thank you.
notre invité suivant vient de me rejoindre. Bienvenue à Monsieur Mehdi Khalfi, expert en développement durable. Ça va? Bonjour madame. Bienvenue. Bonjour. Merci. Il y avait une densité du trafic aujourd'hui. Vous en avez pâti, n'est-ce pas? Ah oui, très bien. Oui, mais vous êtes là et on va parler avec vous de développement durable, de l'implication aussi de la société civile dans cet aspect en particulier, n'est-ce pas? Oui. Par la force des choses, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas ne pas y aller vers la société civile. Mmh. Donc la société civile, les mouvements associatifs, le social productif, il est indispensable. Donc il doit s'inscrire dans le développement socio-économique, notamment dans le cadre du développement durable. Très bien. Étant donné avec ce qui se passe à l'échelle planétaire, tous les chamboulements, tous les changements climatiques, etc. Donc, pour y remédier, on inscrit ce développement dans le cadre du développement durable. Oui, que pensez-vous de l'expérience algérienne, vous qui êtes expert dans le domaine et qui avez vu justement, qui avez été souvent sollicité pour votre expertise dans cet aspect en particulier? Vous savez, d'abord, sur le plan investissement, on est au démarrage. Mm-hmm. Donc, tout est à faire et puis on n'a pas... on ne fait pas partie des acteurs qui ont, disons, pollué. On n'a pas fait mal à la terre. Donc, on peut prendre le train en marche et investir et aller dans le développement local pour justement permettre au pays de... d'être acteur aussi dans le développement durable, peut-être en tirant à partir des objectifs tracés par les Nations Unies. Mmh. Et sûrement que cela passerait éventuellement par justement l'exploitation de tout le potentiel culturel, de tout le potentiel naturel, de tout le potentiel aussi en matière de ressources humaines et d'authenticité aussi de certaines régions. N'est-ce pas? Ben oui, d'ailleurs on s'est étonné le fait de constater qu'il y a des gisements différents, extraordinaires à tous les niveaux, qu'on n'a pas encore exploité, qu'il faut exploiter. Mm-hmm. Et puis... Par exemple nous avons le... si on... Vous parlez tout à l'heure du tourisme, donc nous avons l'artisanat, nous avons le tourisme à toutes les échelles. Nous avons l'agriculture à laquelle on n'a pas encore touché, que ce soit de campagne, que ce soit les plaines, etc. Nous avons un sud magnifique sur tous les plans, si on sait l'exploiter et impliquer les populations autochtones. Donc sans la société civile, sans le citoyen lui-même, donc une conscience citoyenne nouvelle, justement pour en même temps investir et être acteur dans le développement, et en même temps, faire attention à tout ce qui est environnement, à tout ce qui est équilibre, à tout ce qui est écosystème. Oui. Vous savez, nos parents ont toujours été... on fait partie des populations qui ont préservé le patrimoine naturel. Nous sommes en période de cueillette d'olives, par exemple, un peu partout, en Kabylie notamment. On laisse même la part de l'oiseau. Oui. On fait attention à l'oiseau, on fait attention à tout, à l'écosystème pour ne pas le déséquilibrer, l'arbre, comment le couper, comment faire attention, ne pas faire d'excès, etc. Donc, on a rompu avec les traditions, les bonnes manières de nos parents. C'est vrai, c'est vrai que c'était la pauvreté, c'est vrai que c'était le sous-développement. Mais sur le plan protection de l'environnement, donner de l'importance à la nature, donner de la valeur à la nature, ça nous a on a rompu. Donc la nature, moi je pense à la dextérité de toutes ces mères qui faisaient dans la transmission d'un savoir-faire le tissage par exemple, qui permettait à des familles de subsister, qui permettait aux femmes aussi de participer à la vie économique du village ou de la ville, selon la région où l'on se trouve. Ça aussi, c'est une richesse en soi. Oui, bien entendu. Mm-hmm. Mais seulement, il faut aller plus que ça, parce qu'il y a la manière de produire. La manière et avec quels moyens. Tout à fait. On peut produire
en faisant mal à la nature, et on peut produire, bien au contraire, en la préservant, dans le respect des normes naturelles que la nature elle-même a imposées. Oui. Donc nous parlons aussi de la manière. C'est vrai qu'on est au stade de vouloir produire davantage parce qu'on n'a pas encore produit, on n'a pas encore d'industrie, on n'est pas encore à l'échelle des développements. Une image vient d'apparaître, celle de panneaux photovoltaïques, elle revient là d'ailleurs, et c'est vrai que c'est aussi une manne importante. Le soleil algérien est extraordinaire, il est présent un peu partout sur le territoire, pas suffisamment exploité, n'est-ce pas, vous êtes d'accord? Oui, c'est ça l'avantage du développement local. C'est d'impliquer aussi le citoyen dans la transition énergétique. Et la transition énergétique se fait par cette multiplicité d'actions, cette application de la mise en place de la solution des énergies renouvelables, et donc impliquer directement le citoyen à ce que le producteur, à ce que le consommateur final puisse être lui-même producteur de sa propre énergie. Donc avec tout ce qu'il y a comme stress hydrique, avec tout ce qu'il y a besoin énergétique, etc. Donc on est obligé de travailler dans la sobriété hydrique, sobriété énergétique, sobriété agricole, etc. Il y a une volonté d'ailleurs des pouvoirs publics d'appliquer justement d'adopter cette voie en dotant tous les édifices publics de ce type d'énergie renouvelable, l'énergie solaire en l'occurrence. Nous la sentons, oui. Effectivement elle existe, cette volonté. Les textes existent plus ou moins, mais nous savons tous que les décisions elles-mêmes, l'administration toute seule, le politique toute seule ne peut pas réussir justement sans l'implication directe de cette société civile, parce qu'elle est concernée, elle est actrice, et puis un pays se fait avec le peuple, on ne peut pas le faire sans peuple, donc même l'implication. Donc on essaye de justement être la jonction justement entre cette société, ce citoyen qui est dans un besoin, qui est dans une demande, et cette administration, cet État justement qui prédispose au préalable la réglementation, les lois, etc., des budgets appropriés, mais entre les deux, ont fait des sacrifices en mettant de côté certains budgets colossaux au service justement de l'alimentation énergétique par les panneaux voltaïques. Je cite l'exemple du Sénégal par exemple, qui détient la plus grande centrale énergétique dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on peut y aller, on est le pays continent, donc on peut aussi avoir notre belle expérience dans ce sens. Oui. Mais on oublie aussi que les pays qui ont réussi qui sont en train de réussir, parce que c'est pas encore terminé, qui sont en train de réussir cette transition énergétique, c'est des pays qui ont fait appel à des petites entreprises, à des micro-entreprises, à l'implication, c'est ce que je disais. Donc il n'y a pas uniquement que les méga-projets. Il y a les petits. Absolument. Donc il y a des autonomisations dans tous les côtés, etc., où on laisse l'État se consacrer aux grands projets, aux grandes réalisations. Et c'est ça l'équilibre qu'il nous faut, sinon ça ne peut pas marcher. Donc, vous êtes expert justement en développement durable, monsieur Mehdi Khalfi, mais vous êtes aussi sur le point d'offrir la possibilité de sensibiliser à travers la création d'une association. On peut en parler en dernier lieu là. Vous êtes sur un projet en tout cas, genèse. Non, mais c'est exact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir à un certain moment donné de la vie professionnelle, les expériences qu'on voit, etc., donc on se dit qu'on a raté quelque chose. Alors c'est ce qui m'a poussé justement à intégrer le mouvement associatif, justement pour l'impliquer directement dans le développement local. On avait eu un groupe et moi de créer une association nationale justement où chaque wilaya peut disposer de sa section dans le cadre du développement local, et avec ce qui s'est passé l'été dernier, avec le drame qui s'est passé, donc on s'est entendu pour prendre les wilayas les plus touchées. Vous parlez des feux de forêt, bien sûr. Oui, comme wilaya pilote, donc on avait parlé de Khanchela, on avait parlé beaucoup plus de Tizi Ouzou parce que c'était un drame. Donc on a changé de stratégie, on a dit tiens, il faut commencer par ces wilayas
avoir d'abord des associations à l'échelle Oulaya, qu'elles se prennent en charge, qu'elles se donnent le temps nécessaire pour justement initier ou amorcer cette dynamique, et puis ensuite prendre ce modèle et le mettre un peu dans chaque wilaya pour essayer de créer une dynamique nationale dans ce sens. Étant donné que c'est ça justement, la plupart ignorent l'existence des dispositifs dans ce sens, dans le développement économique. La plupart, même s'ils ont connaissance de ces dispositifs, ignorent les mécanismes et comment y aller. L'administration n'arrive pas à déterminer, à identifier qui c'est l'investisseur réel, qui c'est le faux, etc. Donc, je pense qu'on est là pour jouer un peu un rôle positif et arrêter avec la politique sociale qui fait que bouffer les budgets de l'État, parce qu'on peut être, justement, on peut mettre en place une politique, un social productif. Oui. À l'exemple de beaucoup de pays qui, j'ai fait dernièrement une petite recherche, oui, où j'ai trouvé certains pays sont allés en PIB en création d'emplois. Non, des associations, des ONG. Des ONG, 30% des travailleurs, ils sont des ONG. Oui. 30%, vous vous rendez compte, une association, au lieu qu'elle consomme des budgets, c'est elle qui aide la société. Il faut y aller dans cette dynamique. Voilà, comme quoi c'est possible d'inverser la vapeur et d'être vraiment, à travers un mouvement associatif, premiers acteurs de l'évolution de notre pays en termes de développement durable. Voilà, c'est avec ces quelques phrases que vous venez de prononcer qu'on va vraiment se dire au revoir. Monsieur Mehdi Khalfi, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet en particulier. Donc, je rappelle que vous êtes notre expert de cette matière. En matière d'énergie renouvelable et de développement durable. Merci infiniment. Merci à vous. On continuera de parler d'énergie, on continuera de parler aussi de l'impact qu'a le climat justement sur le développement durable, sur le climat, sur aussi l'environnement, tout de suite avec notre dernière invitée. Mais avant, on va un petit peu vous faire balader à travers les allées du jardin d'essai d'El Hamma. Et c'est un reportage signé Melia Moussaï. Classé parmi les 10 plus beaux jardins au monde, le jardin d'essai d'El Hamma, qui s'étend sur une superficie de 32 hectares, devient avec le temps un jardin botanique de renommée mondiale. شجر لبخ باللغه العربيه في كيسري توزا الاسم العلمي تاع هذا النوع تاع الشجر. Nous sommes devant le ficus, un arbre qui attire de nombreux visiteurs pour ses drôles de racines ventilées. En 1929, les premières scènes du film Tarzan ont été tournées ici. Ce grand palmier, connu sous l'appellation de Cariota, attise toutes les curiosités. Il s'agit là du prince des palmiers, connu sous l'appellation de Cariota. Cet arbre fleurit une fois dans sa vie lorsqu'il atteint les 60 ans. Après cela, il commence à se faner jusqu'à sa totale disparition. Cet arbre du dragon est connu pour sa grande capacité de purifier l'air et d'absorber toutes les toxines. Nous demandons juste aux visiteurs de préserver ce lieu de grande importance. Préserver ce lieu historique, tel est le cheval de bataille des protecteurs de ce joyau écologique, la fierté de tous les Algérois. Et bien sûr, la nature a besoin d'eau, la nature a besoin d'un climat favorable pour se développer, pour offrir toute sa beauté et tous ses atours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du climat sur la nature avec notre dernière invitée ici présente, donc Madame Houaria Benrakta, qui est prévisionniste, n'est-ce pas? Donc spécialiste en météorologie et responsable au sein de l'ONM, donc l'Office National de Météorologie. Bienvenue. Merci à vous, bonjour à vous et à tout le monde aussi. On a jugé bon vous consulter ce matin pour parler de tous ces chamboulements auxquels on assiste. On comprend
comprend plus. On ne sait plus à quelle saison on est. On ne sait plus où est passée la pluie par Exactement. Moment. Et on ne sait plus d'où viennent ces pluies diluviennes quand c'est arrivé au mois de février dernier, au mois de novembre dernier, par exemple. Oui. Bienvenue. Merci à vous. Donc, effectivement, actuellement, on est en train de toucher du doigt. Réellement l'impact des changements climatiques. Mmh. On en a parlé, ça fait des années de cela, mais on le vit, et le citoyen aussi, il le vit du jour à jour. Donc effectivement, la situation qu'on a vécue récemment, c'est une situation qu'on appelle en météorologie une situation de stabilité. Oui. Donc l'atmosphère est stable, il faut qu'elle soit instable pour qu'il y ait de la pluie. Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait de fortes valeurs de pression, pour expliquer d'une manière très simple. Donc ces fortes valeurs de pression existaient en altitude et aussi en surface. D'accord. Donc, et elles constituaient une situation de blocage. Mmh. Ce blocage-là, il a empêché l'air froid, on avait l'habitude en plein hiver, d'être sous l'influence de l'air froid polaire. Oui. De l'air froid qui nous vient aussi du nord de l'Europe. Donc, en novembre et en octobre, on a cru que ça s'installait, mais après pas. Exactement. C'est parti. Mais après, la situation, elle a persisté de blocage, elle a empêché ces perturbations de nous intéresser. Elle a au contraire repoussé ces perturbations vers le nord, ils ont touché la Grèce, ils ont touché la Turquie, ils ont touché d'autres pays, mais nous on est resté toujours sous cette influence des fortes valeurs de pression atmosphérique. Oui, c'est bon pour la Terre ou c'est pas bon ? Non, normalement, ce n'est pas bon pour la Terre parce que ce qui se passe actuellement, on est en train de vivre une situation, comme j'ai dit, de stabilité. Mais auparavant, comme vous venez de le dire, on a enregistré des quantités appréciables depuis le mois de novembre. Oui. Donc, un mois de novembre qui était pluvieux. Donc, le nombre de jours où il y a eu de la pluie était très important. Donc, la pluviométrie, surtout sur la région centre du pays, était très importante. Donc, c'était un cumul qui allait dépasser même la moyenne mensuelle sur la saison, par exemple, de Dalbeda ou autre. Donc, on voit bien que le changement climatique dans notre région, il s'interprète par le fait qu'il n'y a pas cette distribution régulière de la pluviométrie. Il faut dire que depuis quelques années, en écoutant la radio, il y a un terme qui revient souvent. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans en arrière. Mm-hmm. On parle de PMS spéciaux régulièrement, donc parfois pour annoncer de grosses pluies, parfois pour annoncer de grands vents. Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est un petit peu la résultante de ces changements climatiques ? Effectivement, comme vous venez de dire encore une fois, donc vous touchez du doigt tout ce qu'on est en train de vivre à Météo Algérie. Donc effectivement, il y avait une période où les BMS ne s'arrêtaient pas. Les BMS devenaient des bulletins réguliers. Donc c'est à chaque fois qu'on a une vigilance, ou si on parle de vigilance niveau 2, ou bien qu'on en parle de BMS. Donc c'était vraiment en santé, ça devenait un bulletin régulier. Mais après, le mois de décembre, le mois de janvier, top. Oui. Il n'y a rien. Donc, on se retrouve devant une situation vraiment où il n'y avait pas de pluie, il n'y a pas de BMS. On a souvent préparé nos parapluies le matin, mais sans jamais les utiliser, effectivement. Oui, on a vécu tout de même un début d'hiver qui était vraiment sec et aussi froid. Oui, donc il y avait vraiment du froid, on sentait le froid on a enregistré dans les stations météorologiques de l'est du pays, moins 7 degrés Celsius comme température sous abri matinale, donc il y avait de la gelée qui avait détruit, donc elle a un impact sur l'agriculture, la gelée, donc elle peut causer des dégâts au point de vue quelques végétations, donc on n'a pas vécu beaucoup de pluie. Mais on a vécu quelques passages qui étaient tout de même modestes, qui ont intéressé surtout les régions est du pays, donc qui étaient favorables en point de vue pluviométrie. Vous qui êtes prévisionniste, comment se profile justement ce mois de février ? Comment se profile le mois de mars ? Bon, le mois de mars, on est déjà au printemps, mais cette fin d'hiver, comment s'annonce-t-elle ? Oui, alors je retourne en arrière un petit peu. Avec plaisir. Un février 2019, février 2020, février 2021 se ressemblent. On avait remarqué que cette période-là était caractérisée par une situation, comme j'ai dit, sable, pas de pluie. Mais à partir de la dernière décade de février des années passées, on enregistrait quelques passages météorologiques qui intéressaient le nord du pays surtout. Donc, Météo Algérie, Inch'Allah, et suite à l'analyse des modèles de prévision numérique du temps, prévoit une activité pluviométrique qui va intéresser les régions de centre, même de l'ouest et de l'est. Ça veut dire qu'il va y avoir un déblocage, Inch'Allah. Et ceci, c'est à partir du 12 au 13 février. C'est plutôt le 13 février, Inch'Allah, qu'on va assister à un passage de perturbation. Mais je dis que c'est une prévision météorologique. Donc, et on va jusqu'au 13. Oui, après, c'est Dieu qui décide, effectivement. Oui, et il faut toujours rester à l'écoute de l'actualisation de nos bulletins parce que les modèles peuvent changer en s'aggravant ou bien en s'atténuant.
Donc, il est très intéressant de suivre les bulletins de Météo Algérie et de suivre l'évolution du temps qui est continue et qui change de temps à autre. En fait, l'Algérie est un État parmi tous les États qui existent à travers la planète et qui subissent les mêmes changements. Donc, c'est un mouvement planétaire. C'est-à-dire, on n'est pas isolé du monde. Donc, on n'est pas isolé du bassin méditerranéen. On n'est pas isolé aussi de nord de l'Afrique. Donc, on est obligé de subir ce que subissent les autres par rapport à une situation météorologique qui n'a pas de frontières. Donc, effectivement, d'après les experts qui font la veille du climat et l'étude du climat, la région nord de l'Afrique, elle va être touchée par cette perturbation dans le cadre pas de sécheresse. Parce que les pluies sont enregistrées, si on calcule notre moyenne, on se retrouve dans les comptes. Mais c'est cette distribution qui n'est pas régulière. Donc on risque d'enregistrer des quantités très appréciables dans un laps de temps très restreint. Et les jours où il n'y a plus de pluie deviennent plus importantes. Ce qui fut le cas au mois de novembre dernier. Et c'est vrai que c'était des pluies diluviennes qui ont aussi occasionné des dégâts matériels et humains. Donc c'est aussi un phénomène qui n'est pas toujours en faveur... Exactement. Quand on enregistre des quantités appréciables qui dépassent presque les 100 mm en 24 heures sur une région qui est vulnérable aux inondations, bien sûr, ça va causer des dégâts. Donc, heureusement, les quantités étaient appréciables, mais malheureusement, on avait enregistré quelques dégâts, mais qui n'étaient pas humains. Très bien. Et bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à surveiller les barrages pendant ces périodes-là. Oui. Et se dire, est-ce que ça remplit les barrages? Parfois, c'est vrai que la pluie arrive, les pluies abondantes couvrent des terrains qui ne sont pas alimentés en termes de barrages. Exactement. Ce qui est dommage aussi, c'est que presque le maximum des perturbations qui nous ont intéressés, ils ont frôlé les côtes. Donc, frôler les côtes, ça va directement sur la mer. Donc, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de perturbations qui étaient sur les régions intérieures du pays. Merci beaucoup Waria Benrokta. Donc je rappelle que vous êtes prévisionniste auprès de l'ONM et chargée aussi d'un service spécial météorologique. Donc merci pour cet éclairage. Vous nous avez décodé un petit peu ce qui se passe actuellement et qui est dû au changement climatique. Merci infiniment pour cet apport. Merci à ceux qui nous ont suivis ce matin et à qui je souhaite une excellente fin de journée avec la suite de nos programmes. Passez d'agréables moments en famille, au travail, où que vous soyez. Donc je vous salue et je vous souhaite le meilleur en ce mois de février. Et pour les agriculteurs, bonne nouvelle, on vient de le voir, la pluie revient très bientôt. Patience, patience, patience. À très vite mesdames, messieurs, et au revoir. I'm